Resilience Management Group. Onze benaming is typisch Belgisch-Engels, omdat onze boodschap gericht is aan zowel de federale als de regionale overheden. Management Group, want het gaat om een gezamenlijk initiatief van academici en transitieondernemers die hun theoretische en praktische ervaringen hebben gebundeld. Resilience, veerkracht, resilience. Parce qu'il n'est pas question de relancer l'économie avec une copie carbone de celle du XXe siècle. Qui plus est, en endettant les générations futures. C'est pourquoi le RMG propose un plan de transition avec plus de 200 mesures dans 15 domaines essentiels pour sortir de la crise actuelle par le haut. Il nous faut préparer ensemble le monde de demain, celui que les jeunes attendent, un monde solidaire, respectueux du climat et de la biodiversité et de toutes les limites de la planète. Les experts du RMG sont à la disposition de nos gouvernants pour ce faire. Il était pour moi important de contribuer à l'élaboration de ces mesures, mais tout simplement parce que la situation l'exige. Nous sommes dans une forme d'urgence absolue et nous ne pouvons plus nous comporter sans mettre la question environnementale, la question de la justice sociale au cœur de toutes nos préoccupations. Le modèle qui structure aujourd'hui notre vivre ensemble est complètement dépassé et il faut impérativement en changer. Alors avec cette crise que nous traversons, nous avons une fenêtre de tir qui est probablement historique. Une quantité faramineuse d'argent public va être investie, les consciences ont été fortement ébranlées. Et donc, on a là une occasion de faire évoluer ce système et de le transformer. Alors, je ne suis évidemment pas naïf, hein, je sais qu'il y a de très nombreuses forces en présence qui vont tout faire pour maintenir le statu quo. Hein, sans doute que celles-là n'ont pas compris ce qui est en train de se jouer. Moi, à titre personnel, je mets mon énergie du bon côté de la balance. Alors, il y a eu un travail très très important qui a été mené ces dernières semaines par le Resilience Management Group. Un nombre important de mesures ont été élaborées dans des domaines très diversifiés, l'aide aux entreprises, l'énergie, la mobilité, la démocratie, la gouvernance, la production. À titre personnel, il y en a trois qui retiennent mon attention. La première, c'est en matière d'aide aux entreprises, ben, comme je le disais, une quantité incroyable d'argent va être mobilisée en sortie de crise et il serait complètement fou qu'une part significative de cet argent ne soit pas dévolue à soutenir des initiatives à fort potentiel de soutenabilité et à fort potentiel de transition. Donc pour moi, c'est une mesure absolument centrale que de correctement flécher ces aides vers les bonnes activités. La deuxième mesure, c'est probablement la taxe carbone pour moi. Si elle est mise en œuvre dans une perspective de justice sociale, c'est-à-dire essentiellement en ciblant les excès, est susceptible de rapidement infléchir des comportements. Et à plus long terme, comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est probablement l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Je pense qu'il est absolument indispensable de refonder l'enseignement en faisant du respect des limites planétaires un indispensable dans la pédagogie et dans les travaux de recherche. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et là aussi, ce modèle d'enseignement, il doit être absolument revu. Alors pourquoi avoir apporté ma contribution à l'élaboration de ces mesures? Eh bien parce que cette crise, elle nous touche d'abord affectivement. Ce sont nos proches pour qui nous craignons, ce sont eux qui nous manquent, ce sont les emplois ici qui sont menacés et qui sont massivement menacés. C'est toute notre vulnérabilité et notre dépendance très fragile au reste du monde qui éclate quand on manque les biens essentiels dans certains rayons des supermarchés, quand on manque des masques, quand on manque des matériels de protection ou des ventilateurs dans les hôpitaux. Et donc tout d'un coup, nous voilà projetés dans une réalité que très longtemps l'on croyait réservée à d'autres, sur d'autres continents, à d'autres moments de l'histoire. Et donc cette expérience de la contrainte, parce qu'elle nous touche très profondément dans nos pratiques et dans nos croyances, constitue pour moi un moment assez propice à la remise en question et au changement. Alors mon état d'esprit par rapport aux évolutions économiques post-Covid, d'abord je pense à tous ceux dont l'emploi a été malmené, voire a disparu pendant cette crise. Ma crainte, c'est aussi celle d'un retour au business as usual, qui ne verrait que la croissance économique, là où la priorité, c'est quoi? C'est contenir les inégalités, fournir un ensemble et créer un ensemble d'emplois de qualité dans des secteurs propices à la transition sociale et écologique. Il serait trop dangereux de laisser aux seules règles du marché le choix des entreprises et des emplois qui doivent être pérennisés et de ceux qui doivent péricliter.
Alors, est-ce qu'il y a des mesures qui me paraissent importantes? Oui, trois importantes. Rétablir la sécurité d'approvisionnement par la relocalisation et les circuits courts. Utiliser la fiscalité de manière massive pour accélérer la transition et pour mener dès à présent des politiques fortement redistributives, notamment sur les très hauts revenus, et garantir un grand pacte pour l'emploi et la transition. Après le confinement, il faudra relancer l'économie et des sommes d'argent gigantesques vont être utilisées pour cela. On a le choix. On peut le faire sans se poser trop de questions sur ce qui a rendu cette pandémie si grave, comme par exemple ne pas écouter les experts, polluer l'air, déboiser ou négliger les animaux sauvages. Ou bien on peut relancer l'économie en tirant un maximum de leçons de cette crise, à la fois sur le plan sanitaire et sur celui de la santé des écosystèmes. Nous sommes en effet tous ensemble les gardiens de la vie sur la seule planète habitable du système solaire. Je suis convaincu que relancer la machine économique après le Covid sans tirer ses leçons risque de nous conduire tout droit dans d'autres murs. Je pense par exemple au climat. Il est essentiel de mettre l'énergie et les budgets prévus au service d'une relance réellement durable. Nous avons réfléchi avec une centaine d'experts de tous les horizons, en lien avec des dizaines d'entreprises qui veulent respecter à la fois les humains et la nature. Le résultat est le plan SOFIA, la sagesse. Nous invitons chacune et chacun à se saisir de ce projet de plan et des mesures qu'il propose dans une quinzaine de secteurs. Nous vous demandons d'en débattre, de l'améliorer et surtout de le mettre au cœur de la relance en préparation. C'est à ce prix que nos enfants et petits-enfants auront un avenir. Ik onderschrijf het initiatief van de Resilience Management Group, want van meet af aan heb ik het gevoel dat de manier waarop we met deze crisis omgaan, zal bepalen hoe we eruit komen. Grijpen we morgen terug naar gisteren of staan we open voor iets nieuws? Comme le disait Marcel Proust, sommes-nous à la recherche du temps perdu ou du temps retrouvé? Gaan we op zoek naar de verloren tijd of maken we gebruik van de tijd die we hebben teruggevonden om die terug verder uit te werken. Als we maar één les uit de coronapandemie onthouden, is het onze verbondenheid met alles en iedereen. We zijn niet alleenstaand, autonoom, maar onverbreekbaar verbonden met alles en iedereen. Het kleine gebaar van ademen, dat we onbewust en automatisch doen, heeft een grote impact. Wat moet het dan niet zijn als we het vliegtuig nemen? Water vervuilen, afval weggooien. De pandemie wijst op onze eigen rol en verantwoordelijkheid in een groter geheel. De Resilience Management Group is zich hiervan bewust en heeft een hele reeks aanbevelingen om een nieuwe weg in te slaan. Wat vooral opmerkelijk is, is de diversiteit van al de mensen die dit onderschrijven. Academici, of experten, zoals ze in coronatijden noemen, ondernemers, middenveldorganisaties. Het coronavirus heeft ons allemaal geraakt. De Resilience Management Group wil daar lessen uit trekken. U ook? Bonjour, je voudrais vous dire tout simplement ma fierté d'avoir pu participer avec d'autres académiques, des acteurs de la société civile, des entrepreneurs et entrepreneuses à la mise sur pied de ce plan de relance, de sortie de la crise de Covid-19 pour la transition écologique et sociale. Ma contribution est fondée sur deux convictions. La première, c'est que les mesures de court terme que nous prenons pour relancer la machine économique doivent s'accompagner impérativement d'une vision de long terme de ce à quoi nous voulons aboutir dans les 10 ou 15 années qui viennent pour contribuer, notre part, à la réalisation des objectifs de développement durable. Il est tout à fait important de rappeler que les choix que nous faisons aujourd'hui vont déterminer notre horizon pour les 10 ou 15 années qui viennent et que nous n'avons pas le droit de passer à côté de cette opportunité qui nous est donnée de changer de cap.
Ma deuxième conviction, c'est que la transition écologique et la transition sociale doivent aller de pair. On doit en même temps réduire notre empreinte écologique et réduire les inégalités. Ces deux objectifs sont non pas concurrents, mais complémentaires. Des synergies peuvent être construites entre ces deux objectifs et c'est l'esprit qui traverse ce plan qui est présenté aujourd'hui. Et donc je formule l'espoir que ce plan soit influent, qu'il inspire l'action des gouvernements et je formule l'espoir que les historiens du futur pourront constater que nous avons saisi l'opportunité qui nous a été donnée par cette crise de changer de cap dans une direction plus durable. On ne veut pas que demain ressemble à hier, ce n'est pas que hier était si moche, mais il y a moyen de faire mieux, et notamment sur le plan environnemental. Donc, il faut agir, et le mieux, c'est de faire appel à l'intelligence collective, c'est de réfléchir ensemble, et c'est ça la démarche du RMJ. Et donc, parce que nous voulons autre chose, agissons. Agissons parce qu'il y a en face ceux qui nous disent que la crise étant ce qu'elle est, il faut impérativement d'abord relancer la machine et on verra bien de comment verdir l'économie plus tard. Non, 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 ça n'a pas de sens de recommencer comme hier. Justement, maintenant qu'on est dans les difficultés, c'est un bon moment pour changer, retenir avec Bruno Latour ce que nous ne voulons plus avoir et bien vouloir mettre en œuvre ce que nous avons eu, entre guillemets, la chance de vivre ces dernières semaines pour le peu qu'il y a eu du positif. S'il fallait mettre en évidence une mesure, c'est bien sûr avec un billet d'économiste, ce serait la fiscalité environnementale et en particulier la taxe carbone. Une taxe carbone qui va responsabiliser ceux et celles qui polluent, consommateurs comme producteurs, à la mesure de leur pollution. Il faut bien sûr corriger ces effets sociaux négatifs que l'on pourrait associer à une telle taxation du carbone, même si en moyenne, la taxe carbone sera redistributive parce que les hauts revenus polluent plus que les bas revenus. Il faut aussi un ajustement à la frontière. Il ne s'agirait pas de faire venir chez nous des produits ne répondant pas à des normes sociales ou environnementales satisfaisantes. Mais avec ces dispositifs et en redistribuant à l'ensemble des citoyens l'argent de cette taxe carbone, sorte d'embryon aussi de revenu universel, nous ferons un pas majeur dans la transition environnementale. Quand on m'a demandé de rejoindre le plan SOFIA, j'ai accepté immédiatement. Notre trajectoire collective est insoutenable, nous le savons. Elle nous mène à des effondrements écologiques, sociaux, démocratiques, mais aussi sanitaires. Ne relançons pas le business as usual. Ne laissons pas gagner ce nihilisme qui gangrène notre pensée. Ne détruisons pas nos conditions d'existence. Redéployons plutôt l'économie. Accélérons la transition. Renforçons la solidarité. Améliorons la qualité de vie. Le confinement a suspendu nombre de nos libertés et droits fondamentaux. Il est temps maintenant de rendre leur pouvoir aux citoyennes et aux citoyens de ce pays. C'est pourquoi nous proposons de lancer une convention interfédérale pour la transition et la démocratie, composée de citoyens tirés au sort et des parties prenantes de la société civile, pour définir ensemble la relance pour notre pays. Nous voulons vivre en bonne santé, heureux et solidaires. Et vous ? J'ai eu l'occasion ici de coordonner le groupe thématique santé, ce qui s'est révélé un exercice passionnant et presque facile, dans le sens où des consensus se sont très rapidement dégagés sur les messages clés à véhiculer dans la carte blanche. Et ce n'est pas étonnant, car si on parle santé publique, la crise a surtout été un révélateur de failles que l'on voyait depuis longtemps. Avec le besoin d'investir sur la prévention au sens large, plutôt que rester dans une approche plus réactive de gestion des maladies, avec la revalorisation du rôle des soignants et l'intégration des acteurs de première ligne, votre médecin de famille, mais aussi l'infirmier à domicile, l'aide-soignant. Avec enfin le besoin d'une meilleure mise en commun des connaissances que l'on voit à l'œuvre pour le moment, tant en matière de recherche clinique que de solutions techniques. Pensez par exemple aux respirateurs au début de la crise. C'est ce qui m'a attiré aussi dans la philosophie du Resilience Management Group. On ne se pose pas en juge ou en censeur, on n'accuse personne. On cherche juste à poser de manière constructive, pragmatique, les opportunités que l'on peut saisir aujourd'hui. La priorité pour moi est très clairement de cibler les secteurs qui s'inscrivent dans le cadre d'une société résiliente au niveau climatique et environnemental. Les moyens disponibles pour l'État sont limités, nous ne pouvons donc aider tous les secteurs et toutes les activités économiques.
Dans le cas où, malgré tout, nous déciderions d'aider certains secteurs, comme par exemple le secteur aérien, il faut absolument prévoir un régime de conditionnalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas signer un chèque en blanc pour ces secteurs. Ils doivent s'inscrire dans une démarche de décarbonation. En menselijke ecologie beoogt milieuproblemen te bekijken vanuit een interdisciplinaire hoek. Dat betekent, meer concreet, dat de menselijke ecoloog ervan uitgaat dat milieuproblemen niet alleen een kwestie zijn van scheikunde en fysica en biologie, maar tegelijk ook sterk beïnvloed worden door elementen van economische aard, van psychologische aard, kortom van humaan-wetenschappelijk aard. Het is die holistische benadering die erg belangrijk is in het nieuwe plan om lessen te trekken uit de coronacrisis en ook de gezondheid. En op een andere weg te zetten. Dat betekent ook dat pleiten voor een meer geïntegreerde, holistische aanpak niet triviaal is. Wij doen dat nogthans. En wij vinden dat veel van de problemen waarmee we nu te maken krijgen, dat die beter zouden kunnen aangepakt worden door op een holistische, geïntegreerde manier naar de problemen te kijken en dat de financiering van het onderzoek daarop moet opgericht worden. J'ai accepté de participer à l'aventure RMG parce que j'ai publié cette année avec mon ami Cédric Chevalier mon premier livre qui s'appelle Déclarons l'état d'urgence écologique et dans ce livre nous expliquons que si nous souhaitons résoudre l'urgence écologique qu'on appelle l'urgence grand U parce que c'est l'urgence de l'urgence qui est existentielle, eh bien, nous devons ensemble sortir de notre canapé, c'est l'expression qu'on utilise dans le bouquin pour expliquer qu'on doit sortir de notre zone de confort. Et ici, concrètement, c'était pour moi l'occasion de pratiquer cette posture de manière concrète.